de l'extérieur. Alors, je voudrais aussi m'associer, bien entendu, aux félicitations, parce que je n'ai pas encore le temps de le faire. Alors, félicitations à la pétillante Suzanne et félicitations à Fritz Cocus, le journal Fritz Cocus, notre ami Fritz. Voilà encore. Alors, la première étape civile est passée. Maintenant, vous allez officialiser les choses devant M. le curé et devant Dieu, avec encore un registre à signer tout à l'heure. Le registre de mariage, donc, à l'église. Alors, je vois qu'il va trouver encore un verbe avec quelque chose, un petit reste. Oui, vers le gel qui sont toujours encore la viticulture à Chassette. Et je vois que tu as mis un petit... Enfin, oui, j'ai pris des épis de blé, puisque dans le cortège, les enfants distribuent des épis de blé en souvenir de ce mariage. Voilà, que ce soit donc pour les personnages du roman, ou alors vous, touristes, qui êtes encore venus nombreux pour cette 38e édition, malgré le temps, très plus qu'un certain, on peut le dire, mais disons que ça s'arrange. Ici, quand il pleut pas, il fait beau, hein, on peut dire ça comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, restez encore ici avec nous. Il y a maintenant l'office religieux, donc le mariage religieux. Après, ils vont ressortir de l'église, ici par l'escalier. Ils vont faire le tour, ici de ce côté, donc avec le cortège nuptial qui va déambuler dans les rues du Louvre et revenir ici sur ce podium. Après quoi, il y aura plein de choses encore, des animations musicales, des animations folkloriques pour animer ce magnifique mariage. Exactement, nous allons être à la noce, comme on dit, grâce au mouvement associatif et bien sûr l'organisateur de ces festivités, mouvement associatif composé de toutes les associations sportives, culturelles et de loisirs de Marmenagne qui se tiennent à votre disposition. Avec une petite anecdote que je voudrais rajouter, c'est que hier soir, pendant l'apéritif de nos invités et notre personnalité, j'ai rencontré un couple qui s'est rencontré il y a 38 ans à Marmenagne. Ça fait 36 ans qu'ils sont mariés, même depuis 38 ans au mariage de la Marmenagne. Voilà, donc ils sont venus à tous les vivants et je vois beaucoup les vénus les verts. Donc voilà, salut à eux, merci de la fidélité. Voilà, merci à eux. On a bien les vides banques. Donc le cortège nuptial s'est mis en place. Alors bien sûr, le tzigane, le cerf, le garçon de la chambre sur le côté de l'heure. Va procéder à la bénédiction du
initial. Pendant ce temps-là, Philippe et moi, on va aller faire le geste qui sauve la viticulture alsacienne. Oui, on va faire un peu de silence aussi pendant cette délégation. Et même dans la délégation, on va inviter donc. Voilà donc, pour vous, on va vous retrouver tout à l'heure, dans quelques instants, dans quelques minutes. Alors sachez que nous avons encore quelques livrets et programmes tombola à vendre pour la boutique 102 euros. Nous sommes à votre disposition pendant donc, cette audition. Oui, je vous rappelle que pour cette tombola qui sera tirée par Fritz, Gomus et Suze, bientôt pour 17h, nous pourrons à gagner bien sûr, deux places pour Lido Alsacien, donc à Kibinère pour le spectacle Passion. Il y a également deux billets d'entrée pour le repas russe, Et on gagnera une bouteille un magnum de crémant de à la maison Arthur S. Voilà, bah écoutez, les cloches commencent à faiblir, donc je pense que le monsieur curé Jean-Pierre Schmitt va procéder à la bénédiction nuptiale qui, je vous rappelle, sera retransmise en direct sur la sonorisation extérieure. Voilà, à tout à l'heure pour la sortie de l'église Saint-Richard et la mise en place et le cortège à travers les rues parallèles et bien sûr toute la famille d'animation folklorique. À tout à l'heure, merci. Thank you.